binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Pour nous soutenir le 3 décembre, pour Zalawana, vraiment, tout ce qui est belé, pour la paix, dans le cannabis. Merci. Voilà, ça a été un match d'un bon niveau africain. Il faut des fois accepter la sentence et retravailler plus dur pour gagner le prochain match. Mami. Mami est de la cour de la radio télévision IRN. Et vous avez fait 4 matchs à 4 victoires. Est-ce que vous n'êtes pas dit que vous allez être facile aujourd'hui au point même de sous-estimer la DSL? Non, on est pas à cette étape maintenant de notre travail. On sous-estime personne. On sait qu'on a des qualités, on l'a montré quand même malgré la défaite aujourd'hui. On a fait un moins bon match sur le plan offensif que les autres matchs. Non, sous-estimer personne. Nous, on travaille calmement pour progresser de match en match parce qu'on a des objectifs qui sont élevés à moyen terme. Et puis on ne fait pas de preuve de manque d'humilité, surtout pas, parce qu'on a encore pas mal de points à progresser. On travaille dur. Les joueurs ont un très bon état d'esprit maintenant. On a mal géré les arrêts de jeu d'un match. Et ça doit nous servir de leçon pour les prochaines échéances. À vous-même, votre avant-dernière question. Bonsoir, coach. Bonsoir. C'est à vous-même, journaliste ivoirien, groupe intelligent d'Abidjan. Coach, comment avez-vous trouvé l'arbitrage? Ça, quand même. Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Je suis désolé. Il a fait des erreurs des deux côtés. Il a été bon. Je ne sais même pas si j'ai la capacité pour pouvoir analyser un arbitre. Un arbitre, en tout cas, sur le résultat du match de ce soir, pour moi, il n'a aucune influence. Hein. Si on défend bien sur la situation la dernière et si on marque nos buts, on gagne le match. Bon, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Déjà, j'ai beaucoup travaillé avec mon équipe, déjà d'analyser, alors si je veux analyser l'arbitre. Dernière question pour Alpha. Dernière question, Alpha Bandit, 100% tout. Moi, j'aimerais d'abord, de toute façon, féliciter, sincèrement, le bon travail que vous avez fait avec l'ARC, parce que vous êtes vraiment de loin. Ça rappelle un petit peu ce que Michel Dussuel est en train de commencer avec l'ARC. Donc, ce point-là, j'aimerais vraiment le mettre en avant. C'est pas parce que vous avez perdu aujourd'hui qu'il faut le négliger. Moi, j'ai une question par rapport au match aujourd'hui, c'est que on vous a vraiment engagé, vous avez joué ce match à fond. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu cette envie de trop prouver votre domination et de ne pas peut-être essayer des joueurs qui auraient peut-être envie de marquer des points pour la CAN à venir, etc., qui vous auraient donné peut-être plus de possibilités? Non, je pense que, comme je l'avais annoncé, on a 7 garçons qui sont sous la menace d'un carton jaune. On avait l'obligation de les faire jouer sur ce match-là pour qu'ils puissent pas jouer le deuxième match, parce qu'ils risquaient une suspension pour le premier match de la CAN au mois de décembre en 2025. Donc, c'est pas une volonté d'avoir pas fait tourner, c'est plutôt de la gestion de notre effectif à nous. Après, je vous rejoins dans le sens où c'est vrai, le fait d'avoir été qualifié, peut-être que
Peut-être que si on n'est pas qualifié, on gère peut-être les 5-10 dernières minutes de manière autre, avec un peu plus de peut-être maturité, de roublardise. Voilà, notre gardien s'est pas couché, on a respecté le jeu, on a respecté l'adversaire aussi, que ce soit la Guinée ou que ce soit la Tanzanie et également. On a fait ce qu'on a essayé de faire. Maintenant, il faut féliciter Michel Dussuyer, féliciter la Guinée et leur souhaiter bonne chance pour la qualification. Merci. Merci. Affronte l'Éthiopie le 19 novembre 2024 dans un match qui s'annonce palpitant au Stade des Martyrs. Achetez dès maintenant vos billets sur Illico Cash et soyez au cœur de l'action pour soutenir votre équipe nationale. Prix des billets, pour tour et tribune latérale, 5000 francs congolais. Tribune centrale, 20000 francs congolais. Tribune d'honneur B, 50000 francs congolais. Tribune d'honneur A, 100000 francs congolais. Les billets pour le match RDC-Éthiopie sont également disponibles dans toutes les maisons communales de la ville de Kinshasa via Illico Cash. Soutenez les Léopards et vivez chaque instant de cette rencontre de football à haut niveau. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais. Binationaux BXL est la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me high and dry.